Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. 100 d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Il y a du vent, il y a... Oh, on y va en train, ça va. On part demain matin. À Paris, non. Ça nous permettra de dormir là-bas et de revenir le lendemain matin. De toute façon, quand tu as rendez-vous à l'aéroport, si on décolle à 9h, il faut y être pratiquement une heure avant. Ouais. On joue à 21h. Après, la journée, elle est longue. Hein. Tu passes ta journée à... On va pas dormir toute la journée. Hein. Alors moi, ça me dérange pas. Après, c'est... Le truc, c'est que tu dors là-bas. Ça fait deux jours pratiquement. Ça me piète sur deux journées, quoi. Que là, quand tu fais un avion, tu fais l'aller-retour dans la journée. Je pense pas que ce soit un voyage en train qui va aider l'écologie. Non, c'est toujours quand tu vas à Paris, c'est toujours un match. Tu rencontres une grosse équipe, voilà, qui a envie d'être champion chaque année. C'est un défi à nous de le rendre difficile pour eux. On va essayer de faire un gros match pour leur rendre un match difficile. Ouais, ils ont perdu deux joueurs offensifs quand même qui étaient des grands joueurs. On peut dire ce qu'on veut, ce sont des grands joueurs. Ils ont perdu. C'est un soulagement quand on est entraîneur. Non, mais ils ont repris d'autres qui sont bons aussi. Voilà, ils ont rajeuni l'équipe. C'est une équipe qui va vite vers l'avant, qui va même sur leur premier match, ils ont fait beaucoup de passes à 10, mais ils ont quand même des joueurs de rupture aujourd'hui qui à tout moment peut faire mal, ouais. Mais on va essayer de leur rendre la bataille difficile, mais après on verra, on en parlera à la fin du match. Hein. Mais c'est ce qu'on souhaite, hein. C'est ce qu'on souhaite. On joue les matchs pour gagner les matchs, hein. On joue pas les matchs pour les perdre. Hein. Tous les week-ends c'est la même chose. Et à nous d'être bons dans tous les domaines pour gagner ce match. Il va falloir être chirurgical si on veut voir la situation pour la faire mal. Il n'a pas fait un mauvais match contre Toulouse. Il a manqué de face à face, mais il y a eu un poteau, il y a eu un arrêt. Ça doit être agréable. Ah oui, mais c'est ce qu'on attend des joueurs, parce qu'on attend qu'ils soient bons tous les week-ends, hein. Tous les coachs. Hein. Enfin, on explique pas. Que ce soit nous, que ce soit d'autres équipes, il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, on est des êtres humains. Il y a des jours on est à la ramasse, et des jours on est même bien. On est bien. Voilà. Des fois, il y a un collectif qui passe tout le monde à travers. Voilà. Comme ça. On espère que demain, tout le monde va être au diapason. Voilà. On verra. Ça arrive, on peut démarrer à 5, on peut démarrer à 4, on peut finir à 5. Ça dépend des joueurs que tu as sur le banc. Ben, ils ont pris pas mal de buts sur phase d'arrêt aussi. Ouais. Et après, ils ont quand même des bons joueurs de tête, ils ont des joueurs qui défendent bien. Ben, à nous d'être bons dans cette phase-là, oui. De toute façon, je ne sais même pas si tu peux demander qu'un point. Non. C'est la globalité des choses. C'est la globalité. Si tu fais appel, tu fais appel sur la globalité. Je sais pas. Je parle pas de ça. Vous voyez avec la direction, c'est pas mon problème. Non, il prend pas beaucoup de risques, mais il fait des choix judicieux. Voilà, il joue plus juste. Et comme tous les joueurs, il y a des moments où il est moins bien aussi. Et dans sa progression,
elle est constante. Ouais. Il joue beaucoup plus vers l'avant. C'est pour ça qu'il a même de faire des passes décisives comme il a réalisé la semaine dernière. L'an dernier, pareil, à Lyon, il avait fait marquer un but aussi comme ça. Il avait fait pas mal de passes décisives dans la profondeur. Voilà, c'est un garçon qui est intelligent, qui a une bonne lecture du jeu et qui fait bien les choses. Il récupère beaucoup de ballons, c'est pas un joueur très très rapide, mais ni puissant. Et il est bien positionné et puis il trouve les bonnes distances pour intervenir, pour gratter les ballons. Voilà, c'est un joueur important pour nous. Ouais. Alors, je pense qu'il arrive à un bon niveau, mais je pense qu'il faut qu'il ait envie d'être encore meilleur. S'il veut aller plus haut, il faut qu'il soit encore meilleur et qu'il soit encore plus constant dans tout ce qu'il fait. Il peut s'améliorer physiquement encore, s'il travaille encore mieux. Et voilà. Mais je le vois souvent, il vient souvent travailler en salle et il cherche à se développer pour aller plus loin. Ouais.